Bonjour, salam alaikum, je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je suis d'origine française, je voyage beaucoup en France, en Europe et aujourd'hui au Maroc. Et avec mon ami Benoît, nous avons fait un voyage pendant un mois au Maroc avec un moyen de locomotion mythique et légendaire au Maroc, populaire, la mobylette Peugeot 103. Alors on voulait choisir un moyen de locomotion populaire avec pas trop d'efforts physiques, et on voulait aussi pouvoir nous-mêmes faire les réparations sur le chemin. La mobylette, c'est un moyen de locomotion au Maroc populaire qui existe beaucoup dans les villes, et on voulait voir si on pouvait faire le défi d'utiliser ce moyen de locomotion dans les montagnes, dans le désert, dans les vallées et dans la campagne marocaine. On est parti de France le 11 mai, on est parti de France le 19 avril, on est arrivé au Maroc le 21 avril, on a commencé le voyage en mobylette à Taza, on est parti de Taza vers le parc national Tasca, et ensuite pendant plus de 15 jours, on a fait un chemin de plus de 600 km en passant par Ribat El Reher, en passant par Ifrane, Azrou, Michlifen, Boulman, le col et la montagne de Bouiblan, pour ensuite revenir à Taza pour finir le périple. Alors, on a eu plusieurs obstacles pendant le circuit. Tout d'abord, on a eu trois pannes avec les mobylettes. Deux pannes importantes et une panne moins importante. Deux pannes, on a pu les réparer nous-mêmes grâce à nos outils et à nos pièces de rechange qu'on a apportées avec nous pendant le périple. Et une panne où on a été aidé par le peuple marocain pour pouvoir la réparer avec leur aide, ensemble, et pouvoir finir ce trajet sans difficulté majeure, car on a réussi à rentrer chez nous à Taza. On a pu compter sur la solidarité du peuple marocain. On a été très touché de l'hospitalité et de l'accueil du peuple marocain, et on a fait des rencontres incroyables. On a choisi la mobylette Peugeot 103, populaire au Maroc, parce que c'est un moyen de locomotion qui est lent, qui permet de faire des rencontres. Le peuple marocain connaît et apprécie ce véhicule, et ça a été pour nous un outil de rencontre populaire incroyable avec les gens qu'on a croisés dans les villes, dans les campagnes, dans les montagnes. Toujours, on a eu les mêmes paroles reçues. C'était super le voyage, incroyable, mythique la Peugeot 103. Et le peuple marocain était fier et content de voir que des Européens choisissaient un moyen de transport pas trop cher, accessible et populaire pour les Marocains présents sur le périple. On a choisi la ville de Taza comme point de départ car elle est au pied du massif du Moyen Atlas. On voulait partir dans les montagnes, avoir un défi et une aventure dans les montagnes marocaines. Et le Moyen Atlas, c'est une région rurale, moins touristique que d'autres régions de l'Atlas, comme celle de Marrakech ou de Ouarzazate. Et on voulait vraiment rencontrer les Marocains, les Marocaines, dans un univers et une géographie authentique du Maroc, pas trop touristique, et avec des paysages variés, des vallées, des rivières, des lacs, des déserts, des montagnes. Pour nous, c'était un mélange culturel et géographique incroyable. Et le Moyen Atlas a été une vraie révélation pour nous pendant le voyage, grâce à Taza, où j'ai aussi des amis marocains qui ont pu nous héberger avant le départ, en mobylette, et à notre retour. Je voulais remercier, avec mon ami Benoît, tous les Marocains, les Marocaines qu'on a rencontrés sur la route. On a fait des rencontres incroyables, on a été hébergés chez des habitants et invités chez eux de manière extraordinaire. On a vu des paysages à couper le souffle et on a fait des expériences et des rencontres inoubliables. Merci le Maroc, choukran,
et à bientôt pour de prochaines aventures.